Thank you.
Sopinetto mio. Sopinetto mio. On a imprimé et on imprime encore de temps en temps à mon sujet des notices biographiques si pleines d'inexactitudes et d'erreurs que l'idée m'est enfin venue d'écrire moi-même ce qui, dans ma vie laborieuse et agitée, me paraît susceptible de quelque intérêt pour les amateurs de l'art. Je suis né le 11 décembre 1803 à la Côte-Saint-André, très petite ville de France, située dans le département de l'Isère entre Vienne, Grenoble et Lyon. La Côte-Saint-André, son nom l'indique, est bâtie sur le versant d'une colline qui domine une assez vaste plaine, riche, dorée, verdoyante, dont le silence, à je ne sais quelle majesté rêveuse, encore entouré à l'est des pics des glaciers des Alpes. Mon père n'avait pas voulu me laisser entreprendre l'étude du piano, sans quoi il est fort probable que je fusse devenu un pianiste redoutable comme 40 000 autres. Un jour, je lus et je relus les partitions de Gluck, je les copiais, je les appris par cœur. Elles me firent perdre le sommeil, oublier le boire et le manger, j'en délirai. Et le jour où, après une anxieuse attente, il me fut enfin permis d'entendre Iphigénie en tauride, je jurai en sortant de l'opéra que malgré père, mère, oncle, tante, grands-parents et amis, je serai musicien. Les coups de tonnerre se succèdent quelquefois dans la vie de l'artiste aussi rapidement que dans ces grandes tempêtes où les nues chargées de fluide électrique semblent se renvoyer la foudre et souffler l'ouragan. Je venais d'apercevoir en deux apparitions Shakespeare et Weber aussitôt. Je vis se lever à un autre point de l'horizon l'immense Beethoven. La secousse que j'en reçus fut presque comparable à celle que m'avait donnée Shakespeare. Il m'ouvrait un monde nouveau en musique, comme le poète m'avait dévoilé un nouvel univers en poésie. Dieu a voulu qu'il y eût un homme aussi grand que Beethoven, et qu'il nous fût permis de l'admirer. Dieu l'a voulu. Et cependant, Beethoven souffrait. Sous combien de Ponce Pilate ce Christ a-t-il ainsi été crucifié ?
J'ai acheté un réveil matin. Je me lève régulièrement à 7 heures, quelquefois à 6, mais je m'y accoutume très difficilement. Et sans le sabbat infernal de mon horloge, je ne serais jamais capable de sortir de mon lit. Bon, à part ça, je suis entraîné involontairement vers une carrière magnifique et non pas vers ma perte. Car je crois, oui, je crois que je réussirai en musique. Il ne s'agit plus de considération de modestie, et pour prouver que je ne donne rien au hasard, je pense, je suis convaincu que je me distinguerai en musique. Tout me l'indique extérieurement, et la voix de la nature est plus forte que les plus rigoureux arrêts de la raison. Ah, génie ! Je meurs. Non, mais j'étouffe. Les larmes, c'est ce génie. Que ferais-je, moi, si un jour ma musique peint les passions, on ne me comprendra pas, sublime, déchirant, pathétique, je veux bien, mais que ferais-je si la plume ne me tombait des mains? Je ne finirais pas. Génie. Tiens, à propos, Schumann, Robert Schumann, le taciturne Schumann, est tout électrisé par ma musique. Tu te rends compte? Il a ouvert la bouche l'autre jour, au grand étonnement de ceux qui le connaissent, pour me dire, en me prenant par la main, « Votre musique surpasse tout. » Merci beaucoup.
je suis en garde contre les séductions de l'amour-propre, et quand je veux savoir si une de mes compositions est bonne, après l'avoir achevée, je la laisse reposer. Je me donne le temps de bien me remettre de l'effervescence que la composition apporte toujours dans tous mes organes. Et quand je suis bien calme, je reprends mon ouvrage comme s'il n'était pas de moi. Alors s'il excite mon admiration, je demeure convaincu qu'il mérite celle de tous ceux qui ont les connaissances nécessaires et la sensibilité pour l'apprécier. Il paraît que je suis un mauvais fils, un mauvais frère, un mauvais ami, un sauvage, un idiot et un fou, un perturbateur de tout ordre moral et physique, un malhonnête homme. Eh bien, quand j'arrive aujourd'hui, comme au théâtre, tu ferais bien de me faire enchaîner dans un chenil dans la basse-cour de crainte d'accident. Mais il y a pire que moi, mon cher Sopinetto. Heureusement, presque chaque soir, comme ce soir, au théâtre, Madame Pauline Viardot arrive dans sa loge toussant, enrhumé, effrayé, et sommé de ne rien craindre et d'oublier le rhume, chaque soir, elle entre en scène comme une lionne, plus exaltée et plus exaltante qu'auparavant. Oh!
je t'avais prévenu. Maintenant, en présence de Madame Viardot, comment te parler d'elle? Elle a de superbes cheveux noirs, de grands yeux bleus qui tantôt scintillent comme des étoiles, tantôt deviennent mornes comme ceux d'un mourant quand elle est sous l'influence du démon musical. Elle est pianiste. Elle s'appelle Camille. Camille Mock. Il faut surtout que j'aie grand soin de ma chevelure pour laquelle elle a une affection marquée. J'ai oublié de te dire que j'ai enfin obtenu ce fameux prix de Rome. Il est à moi, enfin! Enfin, n'importe. Camille, Dieu, je l'aime, c'est inexprimable. Rien ne peut rendre ce que je ressens. Aucune langue n'a assez de profondeur. Seule la musique peut le tenter. Mais je n'obtiendrai pas Camille avant d'avoir un succès au théâtre. C'est là que ses parents attachent leurs vœux à Camille. Camille, c'est ma vie, ma puissance, mon orgueil, ma gloire. Si je la perdais de quelque manière que cela fût, eh bien, je perdrais tout, mais tout en même temps.
La symphonie fantastique a été accueillie avec des cris et des trépignements. Madame Mock était dans un transport incroyable. Je suis dans une ivresse. Camille, depuis qu'elle a entendu mon sabbat, ne m'appelle plus que son cher Lucifer, son beau Satan. Quoique je tremble encore comme l'entrepont d'un vaisseau faisant feu de bâbord et de tribord, je viens de m'engager à ne point quitter l'Italie. C'est le meilleur moyen pour moi de continuer avec succès mon entreprise. Mais ma pauvre Camille, ne plus la voir de 8 ou 10 mois, que ne puis-je bercer avec elle par le vent du nord sur quelques bruyères sauvages, m'endormir enfin dans ses bras du dernier sommeil. Et pourtant qu'elle vit que la mienne, ici jamais un instant de loisir, de calme rêverie, toujours courir ou travailler à la hâte, toujours vibrer, toujours bourdonner, toujours contenir des indignations bouillonnantes, chaque matin au réveil, après quelques heures d'un sommeil insuffisant, rentrer dans la vie froidement comme un fer rouge qu'on plonge dans l'eau en trébuchant sur des serpents et des crapauds. Oh ! Si j'étais libre, libre par la moindre aisance, avec quel bonheur j'irais m'engager, mais demain pour Palma et Tenerife, pour y dormir au doux soleil de ces îles fortunées, parmi ces bonnes gens qui les habitent, insoucieux de la fièvre, de l'art. Le sommeil est le plus impérieux de mes besoins. J'aurais à être guillotiné à 9 heures du matin, que je voudrais encore dormir jusqu'à 11. Ah, la mer, la puissante végétation tropicale, la vie animale, la belle lumière, la chaleur et surtout, surtout, le silence. Je sais ce que c'est que ces tohu-bohu musicaux qu'on nomme festival. Mais donner des concerts à Paris, oh, c'est presque une humiliation. Pays de vieux barbares blasés. Ma passion pour la musique, ou plutôt pour l'art, prend des proportions démesurées. Je me sens des facultés plus puissantes que jamais, auxquelles des obstacles matériels m'empêchent de donner carrière. Je suis réellement malade de cette non-satisfaction de l'amour de l'art. Mais quoi ? En France ? Mais rien. Indifférence et crétinisme, industrialisme grossier, sauvagerie des gouvernants, brutalité des riches, préoccupation vulgaire de tous, serpents, hérissons, crapauds, oies, pintades, punaises, corbeaux, vermines de toute espèce. Voilà la charmante population terrestre
de notre paradis parisien. Le théâtre dit lyrique n'est qu'un égout musical où viennent pisser tous les ânes de Paris. Le conservatoire est un club qui m'est hostile et le comité de la Société des concerts se garderait bien de me commander seulement une ouverture. Je ne puis plus faire entendre mes ouvrages qu'à l'étranger. Non mais quel pays est-ce donc que le nôtre? Se couche-t-on toujours à 9 heures? Estime-t-on toujours les tragédies de Voltaire? Croit-on ferme et fort à la République, à la liberté, à l'égalité? Admire-t-on les rêveries des socialistes? Méprise-t-on bien les arts et les artistes? Non, croit-on tout ce que disent les journaux, la vérité que Madame Sand est toujours en habit d'homme? Non, il faut vivre 200 ans pour pouvoir se faire connaître en France quand on est compositeur. Il n'y a que les entrevues passionnées avec la nature qui puissent me faire oublier en un instant les douleurs de l'amour de l'art outragé. Chien de métier, métier de chien, toujours mordre ou lécher. Thank you.
Eh bien, avais-je tort de m'inquiéter? Camille épouse Pleyel. Donc, trahison. Sa mère me l'écrit et a l'incroyable impudence de me parler comme si elle n'eût jamais consenti à m'avoir pour gendre. Jamais perfidie aussi éhontée n'eut lieu. Jamais plus je n'écrirai une note pour le piano. Jamais même un concerto, tu m'entends? Je voudrais voyager, voir quelque chose de vraiment nouveau, parcourir le plus grand segment de ce cercle si borné qu'on nomme la vie, essayer 2, 3, 10, 30 manières de jouer à la roulette. Je voudrais voir l'Amérique, les îles de la mer du Sud, la grande nature à catastrophe, des jeunes peuples, des villes fraîchement sorties de terre. Je voudrais essayer de tout, me faire planteur aux Antilles, pionnier à la Nouvelle-Hollande, quaker à Otaïti, puis revenir en Europe. Voir si la vieille décrépite radote toujours, si sa fièvre chaude est passée, si elle est enfin parvenue à savoir ce qu'elle veut. Si la vie m'avait échappé à la fin, ce ne serait pas sans que je l'eusse vigoureusement poursuivi, mais je suis dans ce jardin peuplé de sages qu'on appelle l'Italie. Et je dois pourrir ici à Rome. Je parlais l'autre jour à un modèle de Raphaël. Il me dit qu'il ne connaissait pas ce peintre et qu'il n'avait jamais posé pour lui. Marguerite.